Benoît et moi. Donc voilà, moi je vais vous parler un peu de ce groupe. C'est curieusement, avec Benoît, on avait été enthousiasmé l'an dernier avec leur album 2014 qui s'appelle Drop. Et on a dû se rendre à l'évidence, on a découvert un groupe qui était déjà pourtant assez ancien. Et voilà, comme je dis, à ce moment-là, bah voilà, on fait une belle découverte et ça fait quand même quelques décennies, puisque depuis 90, ils font des choses, ces gens-là. Voilà. Donc, alors en 2015, ils remettent ça avec un album que j'ai trouvé toujours aussi excellent. Et depuis, bien sûr, on a un peu gratté et on a regardé qui était The Oxys. Et c'est surtout le guitariste multi-instrumentiste John Dwyer, un musicien de la scène garage punk californienne des années 90. Déjà, il a commencé avec 3-4 musiciens fidèles qui gravitent autour de lui depuis ces années-là et qu'on retrouve presque toujours dans presque tous les disques. Donc John Dwyer sort réellement des albums à partir de 2003-2005, 4 albums avec un groupe appelé OCS, Orange County Sound, puis 12 albums, excusez du peu, on ne les connaissait pas, de 2006 à ce jour, sous le nom de The Oxys. Mais Dwyer a participé à une bonne dizaine d'autres groupes quand même, c'est un espèce de fou, enfin il n'arrête pas. Il fait des disques plus d'une fois par an, enfin, etc. Il participe à plein de groupes. Voilà, donc The Oxys sort donc cette semaine son 9e album. J'ai dit 12 tout à l'heure, mais parce qu'il y a les lives et puis les compiles. Donc en fait, c'est son 9e vrai album studio. Mutilator Defeated at Last, produit par Chris Woodhouse et John Golden, qui ont produit quand même Sonic Youth, Pearl Jam et un certain nombre. Nombreux. Le John Dwyer est donc effectivement l'un des grands noms, l'un des plus prolifiques de la scène rock actuelle. Un de ceux dont nous parlerons peut-être un jour à nos petits-enfants, ou en tout cas au moins à nos enfants. À bien des égards, la musique de Mutilator Defeated at Last est un retour aux sources. The Oxys avait officié dans ce même registre-là à l'occasion de leur album Carrion Caller en 2011, puis ils avaient opté pour un son plus psychédélique, plus pop, un peu plus abordable certes, pour les 3 suivants. Mais ces titres là qui sont vraiment pas loin, enfin c'est pas du hard mais c'est vraiment punk, sont d'un niveau de Carrion Crawler, donc cet album dont je parlais juste avant, qui est le meilleur album à ce jour à mon avis, leur meilleur album. Le son de Mutilator Defeated at Last est aride, brut, rêche. The Oxys c'est surtout un vrai groupe de scène, je cite les Inrecuptibles parce que de temps en temps ça nous arrive, véritable machine de guerre scénique, disent-ils sur les Inroc. Bon, je pense qu'on peut les croire. Alors, le thème est prisé dans le monde du rock ces temps-ci, parce qu'on en a déjà eu 2 ou 3 cette année dans nos albums de la semaine, et nous invite à une relecture de la Bible. Et voilà, on repart, ça recommence. Mais voilà, c'est un vrai sujet qui cède une place à Satan comme maître des lieux. Voilà, version qui veut prouver que Dieu n'existe pas, un programme qui me réjouit s'il en est. Forcément, moi, à chaque fois qu'on dit du mal de ça. Voilà. Il est par ailleurs notable que l'écoute de cet album ne nous évoque pas une référence musicale à chaque titre. Et c'est un nouveau style de rock'n'roll très innovant, tout simplement. Je me permettrai enfin de vous conseiller l'écoute de ces derniers opus, mais aussi les 2 albums précédents que j'ai cités dans ma chronique juste avant. Voilà, voilà. Qu'on pourra peut-être retrouver oui, imprimé. On les retrouve en ligne, tes chroniques, si vous allez faire un tour sur notre page. Vous aurez les références des disques qui nous plaisent, entre autres. Ou sur notre blog, l'oreillequigratte.com, vous trouvez plein d'informations concernant...